fait qu'un couple de fiefés. Mina Bleu a pris le café du pauvre nez et nous voilà contraints d'estimer ces gens-là. Parce qu'un minus de 5 à 7 chevauche une pauvre mazette qui reste à froid de sortie du néanmoins qui n'aurait pas dû. Ce n'est pas tout d'être mon père, il faut aussi me plaire. Être mon fils, ce n'est pas tout, il faut me plaire y tout. Son père sympathique, c'est pas automatique. Avoir un fils qui nous agresse n'est pas assuré. Quand on s'avise de venir sur terre, il faut se prémunir contre la tentation facile d'être un rejeton d'imbécile. Ne pas mettre au monde un connard, c'est mal commode et c'est un art que ne pratique pas souvent la majorité des vivants. Ce n'est pas tout d'être mon père, il faut aussi me plaire. Être mon fils, ce n'est pas tout, il faut me plaire y tout. Son père sympathique, c'est pas automatique. Avoir un fils qui nous agresse n'est pas assuré. L'enfant naturel, l'orphelin, est malheureux et je le plains. Mais du moins il n'est pas tenu au respect d'un père inconnu. Jésus lui fut plus avisé, et plutôt que de s'exposer à prendre un crétin pour papa, il aima mieux n'en avoir pas. Ce n'est pas tout d'être mon père, il faut aussi me plaire. Être mon fils, ce n'est pas tout, il faut me plaire y tout. Son père sympathique, c'est pas automatique. Avoir un fils qui nous agresse n'est pas assuré. C'est pas un compte personnel que je règle mon paternel. Brave veut mieux plaisait beaucoup, était tout à fait à mon goût. Quant à moi qui, malgré des tas de galipettes de fada, n'ai point engendré de petits, je n'ai pas pu faire d'abruti. Ce n'est pas tout d'être mon père, il faut aussi me plaire. Être mon fils, ce n'est pas tout, il faut me plaire y tout. Son père sympathique, c'est pas automatique. Avoir un fils qui nous agresse n'est pas assuré.